Salut les gens, c'est Sam, on se retrouve au pays du bonheur et c'est le bonheur parce qu'on a 4,28 de solde positif. C'est nos impôts. Les beaux impôts de Delhi. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir du fric un petit peu quand même, hein. On a même un emprunt, un petit emprunt à rembourser. On a même construit tout ce qu'on pouvait construire comme ça là, vous voyez. Alors je vais aller regarder s'il y a des commerces aussi à faire, mais on va pas trop se focus dessus. Ben voilà, on a construit tout ce qu'on avait à faire, il nous reste encore 1000. Merci Ming. Merci Ming, bon on va continuer notre petite guéguerre. On doit attendre que Yeren fasse défection. Et ce qui est beaucoup plus surprenant là par contre, c'est qu'on a le Mogol qui refuse de défendre son propre territoire. Et ça pour le coup, c'est plutôt bon pour nous. Ah, la Transoxiane va faire demi-tour, donc elle va lâcher le siège, donc j'ai quand même intérêt à foncer avant qu'elle le lâche. C'est bien dommage. C'est bien bien dommage. Yaren, il veut pas lâcher. Transoxiane, ça m'embête. Hein. Quelle tristesse. Hein. Est-ce que je paye un coup? Que je paye un coup. Pour qu'elle reste sur son siège quand même. Hein. C'est bon, comme ça m'évite moi d'aller trop perdre du fric. On va l'aider, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que peut-être que tout simplement, la Transoxiane, elle va pas défendre son territoire parce qu'elle a peur de la totalité de nos forces. Oh, guide des frères. Légalisme. Mysticisme. Ouais, mais on n'est plus trop dans le... Dans le trip manpower, là. Hein. Et puis en plus, oui, on va aller vers le légalisme. Allez, allez, Yaren. Yaren, non. Hein. Bah écoutez, on va continuer cette guerre. Je suis embêté parce que c'est contre Yaren qu'il faudrait que j'aille taper. Oh! Shun. Allez les Shun! Oh non, t'es en train de perdre trop du cul! Comment tu peux perdre contre 8000 hommes? Tu peux pas faire ça, Shun. T'es pas sérieux. Oh. Shun, gagne. Shun, il va nous donner tous ses trucs et après il sera infidèle. Mais c'est pas grave, on va attendre. On va attendre, gars, on va te laisser retomber ton truc là, le plus 33 là, il va finir par s'en aller. Y a un truc qui descend tout seul. Bon, là, si Yaren, t'es pas sérieux. Ah, 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 ah. Quand même, ça fait long là. Hein. Oups! Tu me glisses pas dessus, toi. Hein. Oh là là! Pas bon ça. Allez hop, on change d'avis. On va là-bas. Mais on attend. Allez, le 1er février, il a Shehan. Voilà. Voilà. 63%, c'est tout. 48 jours. Tu permets, Cam, que je te récupère 2 secondes? J'ai juste pas 48 jours à attendre, quoi. Allez, Sean, il a la maîtrise, là. Il maîtrise son destin. Bon, 100% tu veux pas. Alors grave pas. Celui-là, je suis obligé de te le prendre. Bon. Ah, je peux prendre du Mongol. Mais c'est pas mieux. Pas bien le Mongol. Alors, là, le truc, c'est est-ce que je vais jusqu'à 100%? Alors, j'ai quoi là? J'ai du 77%. Mais du coup, est-ce que le Ming il est dedans? Mais du coup, le Ming n'est pas dedans. C'est quand même un petit plus. Mais en même temps,
Ming, il n'est pas dedans, quoi qu'il arrive maintenant, hein. Parce que là, il n'y a quand même pas grand-chose, hein, qui me fait mal. Il est où là? C'est ça, faut pas que je prenne. C'est mon CB. Comme je suis un gros feignant, j'ai pas envie de le refaire. Le séparant en deux, c'est encore pire. C'est pire dégueu. Oui. Bon, allez, on continue. Go. J'ai besoin de me renforcer, hein, parce qu'avec les vassaux que j'ai, si je me renforce pas. Alors, une guerre, autant la faire jusqu'à 100%, surtout s'il n'y a pas de quoi derrière, s'il n'y a rien à perdre. Allez, Sean! Le faire, tu peux le faire, Sean. Franchement, là, il manque pas 4000 hommes, non, 2000. Ah, si, ah, quand même, je devrais avoir plus d'hommes que ça. Moi. Je crois que j'ai perdu des hommes. Je vais faire un. Ah, voilà, il y a 4000 hommes là, cachés. Ok, 74, là, tu vas commencer à réfléchir. Bah oui, tu réfléchis de plus en plus vite. Mine de rien, il réfléchit vite, hein. Bon, les 12 000 hommes du Mongol. Ah non. Le roi Ratz, il a 4 000 hommes. Alors ça, par contre, ça me plaît pas, parce que j'ai 2 000 hommes qui traînent en arrière. C'est ça qu'il veut pas lâcher. 76. Si on prend la capitale mongole, c'est fini. Bon, ça, on perd l'agression agressive en bas. Le Timuride, il a battu le Khorasan. Mais j'ai une malédiction. Vous vous rendez compte que le Jaunpur, il est allié au Ming. Que le Multan, il est énorme, il est allié à Jaunpur. Et que le Timuride, il est allié à personne. Timuride, on discute de tes options politiques. Oups! J'ai vu. C'est rigolo, hein. L'autre, il veut pas combattre, hein, lui, regardez. Il peut stack wipe, là. Hein. Et il va ici. Ça devrait pas être long. Paf. Non. Non, t'es pas sérieux. C'est pas le plus grave, je dirais. Hein. Allez, go. Bon. Les moguls, ils ont de la gueule maintenant. Alors, on en est où? Il y en a peut-être 2-3 légitimations à faire. On n'a rien à relâcher? Non, parce que ça va être la galère si on relâche. Ça va péter de partout. Ça va péter chez les Gorkis. Bien sûr, on va descendre tout ça, là. Allez, go. Il va falloir des vraies troupes là par contre. Parce que j'ai pas assez d'armée là. J'ai pas assez d'armée du tout. 17 sur 26, c'est pas ça quoi. C'est pas le grand mogol là. Hein. Ok. On a Shun et Libumbati. Mais Shun. Oh, chu. Chachu, chu. C'est le début. Ce n'est que le début. Et lui, il a repris tout là. Ah non, il manque celui-là maintenant. Mais j'aimerais bien savoir comment je vais le gérer ça et combien ça va perdre. C'est moins 32,9. Waouh, 0,6 par an. Ouais. T'es à 130 là. Pas vraiment, t'es à 115.
415, quand même, 500 points pour te calmer. Le problème, c'est que je le ferai bien, mais je veux d'abord. Je vais pas le faire tout de suite parce que son malus de 30, il va peut-être monter. Alors, si c'est pour qu'il monte à 300. Alors. On a une forteresse qui va pas me servir, hein, franchement. Je vois pas qui va aller à cette forteresse. Ici, on a des forteresses. Je vais les garder. Surtout qu'il y a des rebelles bientôt là. Est-ce que je gagne des sous? Je gagne un peu de sous. Est-ce que je gagne du manpower? Je gagne du manpower. Plutôt bien même. Pour faire une armée rapidement. Go. Alors, on y va. Les Gorki. Pas le pas. Faut aller descendre les chercher. Ok, on va essayer de travailler un petit peu là-dessus aussi. 45-20. Construire des trucs. Pas assez rentable. Pas assez rentable. Karakorum, j'imagine. Je vais pas regarder, mais. Non, c'est ici. Non. Je sais pas où j'ai construit mon truc. À Delhi. Bah oui. Bah oui, je l'ai construit à Delhi. On devrait se faire un peu de fric de commerce bientôt. Youpi. C'est pas flagrant. Et dépendance. Puis outragé. Qui je vais outrager? J'aimerais bien que je ne pourre. Il arrête de me faire la tête, franchement. On est amis et tout. On est rivales. Mais toi, par contre, tu pourrais plus me faire la tête. Mutan. Mutan, on pourrait être un bon voisin. Warach, je t'avais dit que je t'allais t'éclipser. Tu m'as pas cru. J'ai pas suffisamment de rivaux. C'est ça que tu es en train de me dire. J'ai pas suffisamment de rivaux. Tu te fiches de moi. Quand même un peu, hein. Rival déclaré, alliance rompue, Warat a rompu son alliance avec Yaren, bah oui. Yaren et Warat sont rivaux. Mogol, tu vas rester dépendant longtemps ou je peux soutenir ta dépendance? Je vais pas te soutenir, hein, j'ai blagué. Hein. Je blaguais. Je t'attaquerai bien hein, dès que tu seras indépendant, t'inquiète. Jangladesh, comment ça s'est passé avec Sindh? Ça a l'air de s'être bien passé. Sauf que c'est encore Multan qui l'a bouffé. Multan, tu t'as bientôt bouffé l'Ottoman là. Oh, les Timourides. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est quoi cette game? Et l'Ottoman qui se fait becter. Dans toutes mes parties, l'Ottoman il se fait becter toutes. À chaque fois, vous me dites l'Ottoman il est badass, il est trop fort et tout. À chaque fois que je joue, moi l'Ottoman il se fait avoir. Bon là, il est pas complètement becté, mais enfin il a laissé le Mamelouk prendre toute la Karamanie. Il a pas grossi du tout, hein. Même là, je vois la Valachie, elle est encore là, quoi. On est en 1483. Les Timourides, alors parce que les Timourides, j'aimerais bien les attaquer. Timourides. Timourides. Timourides, Timourides. On va aller voir plutôt les armées. Timourides, t'as pas d'armée, en fait, en vrai. Par contre, t'as toujours tes vassaux ou pas? Afghanistan et Sistan. Oui. Je sais pas si on peut vraiment les compter. T'as des alliés? Biapas et Sindh. Alors, Biapas là. Et Sindh là. Pareil, je sais pas si on peut les compter. Si je t'attaque, tu vas mourir en fait, en vrai. Alors voyons, voyons, voyons comment ça se passe. Alors toi, tu me détestes pas du tout. Hein. Jaune pur, il me déteste. Mais toi, pas trop. On va attaquer. Allez, go. C'est parti. En plus, il est en guerre. Il a toutes ses armées là-bas. On va attaquer. Cam, il est en train de se faire intégrer. Tout va bien. Les Gorki, qu'est-ce que je peux en faire? 7,2, 2,4, tout ça c'est pas méchant en fait en vrai. Hein.
Si ça va être méchant, c'est là-haut, là. C'est les Warats, voilà, bah oui. Hein? Il y a un souci, mal calculé, non? D'accord, les Warats. Ok, bon, on va remonter. On va attendre. On va pas déclarer la guerre tout de suite. Ils sont à 50, les Warats. Ils vont péter à combien de milliards? Alors, les Warats, combien ils vont être de milliards? 31K. C'est beaucoup. C'est impossible de les empêcher. Mais ils vont péter en deux. Il me faut une armée plus grosse. Déjà à 40% de toute façon. Mais Multan, arrête de faire des trucs comme ça. Ah, je suis désolé pour Timurid. Il aura fini sa guerre dans un an, lui. Il m'en manque là. Il manque un bout. Il manque un petit bout. Un petit bout de troupe. Non? C'est tout ce que j'ai? Ah non. Hop là. Les Shun, vous avez tout hein là. Ça c'est pas Shun hein. Ça c'est Kin hein. Ça c'est Mongol. Encore pire. Donc Shun, t'as tous tes trucs, tu peux te rebeller hein. Go, il te manque peut-être celui-là. Non, ça c'est Xi. On n'a pas de Xi, hein, par contre, dans la famille. Si, non, ça c'est les Yi, c'est pas les Xi, c'est pas les mêmes. Ça ressemble, mais c'est pas les mêmes. Ok, on va finir de valider tout ça. Et ça c'est mon. Voilà. Alors, par contre, elle va s'arrêter. Oh, pas tout de suite. Ok, on va faire ça là ici. On va passer à 18 000 avec un bon général, comme on aurait pu en avoir. Ça pourra le faire. 20. Comment je gagne? 9. 6. Ok. C'est encore un petit peu de temps pour lui. On monte en fric. C'est ça qui est bien. On monte en fric, on monte en réserve. T'es limite, je vais booster encore un petit coup, tiens. Si je faisais un 14-7, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est con que je puisse pas aller chercher la dernière techno, là. Elle doit être hors de prix. Moi, je dirais bien que quelques petits canons, ça me ferait du bien. Après, on va avoir trop d'attrition ici. Je peux pas me balader. Il y a des petits territoires de crotte là. Je pourrais peut-être faire une petite guerre minuscule en attendant. Parce que là, je m'ennuie deux secondes. Ah! Ça, c'est pas grave. Par contre, Ming, tu vas le défendre. Ça, ça me dérange pas du tout. Je fais un petit revendique. Hop. Juste pour le principe, quoi. Même s'il y a Ming dans la guerre. Hein. On va pas dire qu'on a peur. Je paye pas moi, j'ai pas de sous. J'ai pas de loyer, j'ai pas. Ah, j'ai du prestige, c'est incroyable, c'est remonté vite. Non, par contre, ça je peux pas. Ça c'est bien en vrai en fait. Non, c'est pas bon. Oups, j'ai eu peur. Pourquoi je voudrais leur faire perdre plus? Ah, parce que là, je leur fais perdre de l'influence. Ouais, mais non. On trêve avec Shun. Il n'y a pas de raison d'aller s'embêter avec Shun. Chercher l'approbation des trucs, là, ça va faire baisser les... Ça va me servir à rien, en plus. La légitimité.
Ah, unité religieuse plus 20%. Waouh. On va avoir besoin de ça, moi. Quand je serai passé confucianiste. C'est dommage. J'aurais pu. Ok. Mutan, on va peut-être pouvoir faire un truc avec lui. Les Timurides, sa guerre, elle se termine pas. Mes 31 000 warats, ils sont prêts à péter. Et j'ai bon espoir qu'ils pètent ici aussi en partie. Hein. Comme ça, je pourrais sortir les troupes du château et tout. Par contre, ils vont faire des années de séparatisme parce qu'ils vont péter un autre bout là-bas. Ils vont avoir le temps de prendre trois territoires avant que je leur tombe dessus, c'est sûr. Dédi nous insulte. Dédi, je te signale que je viens de te donner un droit de passage pour que tu fasses ta petite guerre tranquille. Après, il est possible que tu sois légèrement contrarié par le fait que je possède Dédi, justement. Séparatiste Gorki, ça devrait aller. Pâté, Melindé, c'est quand même loin de chez moi, là. J'ai vraiment besoin d'avoir des infos là-dessus. Ah bah oui. Lors du Kilwa, c'est pas pour tout de suite. Oui. Tout ça, c'est bon. Ça arrive, là, les Warats? Ah oui, ça va plus vite que ce que je pensais, en plus. Un petit peu chanceux sur ce coup-là. Ah, si on peut dire ça. Bon, j'ai tout fini. Là, ça monte pas trop. C'est pas méchant. D'autant plus que on est pas mal en légalisme. Je vais bientôt pouvoir faire péter ça. J'avoue. Eh ben voilà. Alors là, pour le coup, on y va. Mais il y a 19 000 là-bas. Autant dire que ça me plaît pas tellement. Mais on va voir s'ils veulent pas aller sur le château. Parce que s'ils vont sur le château après que je les attaque, c'est eux qui sont en faiblesse. J'ai quand même pas pris très cher. Mais de toute façon, ils ont pris le truc, donc on va attendre. S'il fait mine d'aller ailleurs que sur le château, on le poursuit. Embellissement de Delhi. Bon oui, avec plaisir. Ah, c'est bien les deux. Valeur fiscale ou valeur fiscale? Plutôt les ducats là. Même si assez bizarrement je perds des sous. Et sûrement pour les renforts. Non? Pourquoi je perds des sous? Parce que j'ai accepté un moins 10% d'impôt, sachez. Intéressant, 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 mais non. On en est où là? Où qu'on en est? Où qu'on en est? Eh ben on en est qu'on n'a pas bougé, hein. On n'a pas un qui est motivé là dans les Indiens pour faire péter le truc là? Les Japonais. Les Japonais, on n'a pas de nouvelles. Là. Bon là. Jeune. 41%, je comprends pas là. T'en as eu d'autres? C'est possible. Il y a peut-être eu celui-là. Alors, Mongol revendique. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Attaquer en infériorité, mais sur mon fort. Il est à moi. Je fais sortir les troupes. Je pourrais même y aller maintenant. Hein. J'aurais peut-être presque pu arriver avant lui. Parce que lui, il fait pas demi-tour une fois qu'on fait le truc. J'y assouve, j'arrive avant. Non, j'arrive pas avant. Pas grave, ça ne change rien. Oups. Château. On récupère les 2000. Alors, il faut leur donner un mouvement. Ah, je peux pas. Ils vont rentrer dans le château. Ils sont rentrés dans le château, les coquins. Mais en même temps, ça c'est fait. Bon. Les Kazakhs maintenant. Vous me saoulez, les Kazakhs. Vous me fatiguez. Je vais venir vous. Vous calmer à coups de petits bonhommes. Hop là.
Taraz Almaty, c'est juste une province, ça. Et Karangon, là, c'est une seule. Je viens ici, je fais une petite patrouille et vous disparaissez. Alors, les autres. Oh là 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 là. C'est la cata. Après, je suis pas en guerre. Timuride. Alors, j'ai pas de diplomate. C'est compliqué. Ah bah c'est parti ça. Allez hop, on va aller avec les casettes. Bon, ils en sont. Les Gorkis bougent pas. Hein. Les Gorkis, ils ont toujours leur 7%, mais ils bougent pas. Les Chagatai, c'est pareil. Chagatai, c'est... Mais vous fichez de moi, Chagatai, c'est moi. Mais vous êtes grave. Les Chagatai, ils vont pas se rebeller. Les Chagatai, c'est moi. J'ai vos idées et tout. Ah, je vais relâcher le Chagatai, tiens. Histoire de rigoler. Pour avoir plein de revendications moi-même. Et tu la gagnes pas, ta guerre? Tu la gagnes, tu la gagnes pas. Tu la gagnes pas terrible, hein, en vrai. Bon bah je me rapproche pour voir. Hein. Comme au poker, je me rapproche pour voir. Trop de relations. Ouais. On a toujours notre mariage et notre alliance avec le Bengale. On peut pas dire que ça fasse du mal. Bahmani, j'aurais bien aimé. Bahmani et Vidyanagara. Il y a un moment, vous allez pas vous entendre. Ouais. Il y a un moment, ça va pas coller entre vous. Multan, c'est marrant que t'aies pas doublé de volume, là, encore, cet épisode-là. D'habitude, tu doubles de volume chaque épisode. Je suis un peu choqué. Par ton absence d'expansion dans cet épisode. Pof. Là, on a notre revendication. On peut plus attaquer Deli parce qu'il nous a insulté. Non, mais on peut lui... L'attaquer juste pour le plaisir de la défoncer, peut-être aussi. Voilà. Y a pas de raison, hein. Y a pas de raison de se priver. Là, on va essayer de faire baisser un petit peu le truc. 1,6, c'est pas bon. Ça me sert à rien. Bon, bah on reviendra. On va peut-être. C'est les mêmes, c'est ça? C'est Kotor et Chui. Ah, c'est tout ça, c'est dans la même truc. Rigolo. Et bah, quand on aura fini nos trucs, là, ça ira mieux. Hein? Dans combien de temps? 3 juin. Oh, bah, je vais aller faire ma guerre, moi. Ils auront pas pété. Faut qu'ils prennent 4 fois 7%. En 6 mois, c'est pas la peine. En un an. Mais même. Ok. Bon. On y va. Ah oui, mais là, ils vont prendre plus, ça, du coup. Alors, Timuride. Déclarer la guerre. Biapas, Sin, Sistan, Afghanistan. C'est tendu, quand même, un petit peu, hein. Qu'on reconquête. Ouais, mais quand il faut... Ah, mais non, mais je peux pas. Mais non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Ah, quelle tristesse. Je peux pas donner tout ça à Transoxiane. C'est la fin de... Je contrôlerai plus rien si je fais ça. Je perds le contrôle total. Je peux pas faire grossir mes vassaux. Si j'attaque le jeune pour... Mewat, Wing, Multan, Sinkande. Bon. Alors, on va pas attaquer le jeune pour... Là, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Pas de casus belli. Là, pas de casus belli. Le chou. Pourquoi on n'a pas des revendiques là avec le choun? Le choun là, il bosse, hein, pourtant il fait son job. Hein. Le mongol, il est toujours dépendant du Waratz. Combien de temps ça va durer cette histoire? Vraiment, on en est rendu toujours, toujours à faire les mêmes choses. Allez, c'est parti, une petite guerre contre le Ming. C'est fou, ça, hein? C'est lamentable. Allez, on va s'arrêter là. Troisième guerre contre le Ming en 2 épisodes. J'espère que ça vous plaît. 2 ou 3, je sais plus où j'en suis déjà.
Vous êtes en troisième guerre contre le Ming en trois épisodes, c'est ça. J'espère que ça vous plaît, je vous remercie d'avoir regardé, à tout de suite pour la suite.